5 juin 1967. Israël, se déclarant acculé par le blocus de sa navigation vers la mer Rouge et la mobilisation de ses voisins, prend les devants et déclenche une offensive de très grande ampleur contre l'Égypte et la Jordanie. En 6 jours d'opérations combinées, les forces israéliennes se seront emparées de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, de la partie est de la ville de Jérusalem, enfin du plateau syrien du Golan, mais surtout de la totalité de la péninsule égyptienne du Sinaï jusqu'à la rive occidentale du canal de Suez. Nasser envisage alors d'abdiquer après une défaite aussi retentissante, puis devant les immenses manifestations populaires de soutien largement spontanées du peuple égyptien, il se reprendra. Mais la continuité entre les 3 dernières années de son règne et la période antérieure n'est que de façade. La guerre des 6 jours est bien la grande ligne de partage du temps qui a déterminé toute l'évolution ultérieure du Proche-Orient arabe. Avant, la position d'Israël apparaissait comme précaire à l'extrême. Au lendemain de cette guerre, c'est l'Égypte qui est contrainte à la défensive. Pour comprendre ce retournement, il nous faut expliquer le processus d'enclenchement de cette guerre, en commençant par ses causes profondes, l'attitude des États arabes depuis 1948. En 1948, les armées arabes, mal préparées, mal commandées, à peine extraites de la gangue britannique où la plupart avaient été formées, étaient intervenues en désordre contre une communauté juive de Palestine qui, elle, s'était battue le dos au mur avec une résolution farouche. Il en était résulté une première défaite historique des États arabes que leurs opinions publiques mettaient sur le compte d'une impréparation matérielle et politique. Au reste, la plupart des régimes responsables de la défaite avaient été balayés par la suite. Depuis lors, l'opinion arabe pensait très majoritairement que l'État d'Israël, l'entité sioniste comme ils aimaient l'appeler, serait inévitablement éliminé par la violence armée combinée à la pression politique, exactement comme il avait été mis fin en Afrique du Nord à la présence française et comme s'achevait dans le Golfe Persique le protectorat britannique. Le verrou israélien devait sauter. Ce n'était qu'une question de temps. Ce refus arabe radical est évidemment la cause principale, de longue durée, de la guerre des 6 jours. À cela vient s'ajouter pour l'Égypte une circonstance conjoncturelle. L'affaiblissement progressif de la révolution nassérienne, tant sur le plan intérieur qu'à l'extérieur. Nasser veut alors reprendre la main et réaffirmer son autorité qui est encore grande. En retirant son armée du Yémen, où elle s'enlisait au début de 1967, il annonce la fin de la guerre civile arabe avec les monarchies conservatrices regroupées autour de l'Arabie saoudite et réaffirme la primauté de la lutte contre l'ennemi sioniste. Il y a pourtant encore loin de cette posture toute idéologique au déclenchement imminent d'un conflit armé. Il faut donc encore considérer une série causale tout à fait indépendante. La politique, elle aussi bien fluctuante, de l'Union soviétique, qui va peu à peu conduire Nasser dans l'engrenage de la guerre. Moscou, en effet, n'est pas passif dans cette affaire. Les dirigeants soviétiques ont vu d'un assez mauvais œil le début de la réconciliation entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ils savent que certains conseillers de Nasser envisagent dans la foulée une ouverture en direction des États-Unis. Les soviétiques montent alors une opération de désinformation pour maintenir Nasser dans leur camp. Au lendemain du coup d'État des colonels grecs d'avril 1967, l'ambassadeur soviétique fait croire au leader égyptien qu'Israël prépare de façon imminente, sur ordre de Washington, une offensive militaire contre la Syrie baasiste, alliée incommode mais fondamentale tant de l'Égypte que de l'Union soviétique. Nasser répond immédiatement par une série de mesures très énergiques qui vont de la mobilisation de l'armée au rappel des casques bleus installés le long de la frontière avec Israël dans le Sinaï et surtout au blocus du détroit de Tiran, débouché du golfe d'Aqaba et du port israélien d'Eilat sur la mer Rouge. L'engrenage s'est ainsi mis en marche. Même si Nasser se rend peu à peu compte de la manœuvre soviétique et de l'absence d'initiative israélienne hostile envers la Syrie, et même si Américains et Français lui prodiguent rapidement des garanties qu'il n'y aura pas de guerre s'il est mis fin au blocus de Tiran, une dynamique s'est mise en place. Elle lui apparaît comme très favorable sur le plan politique arabe. La création d'un commandement arabe unifié, l'échauffement de la foule par des caricatures antisémites où Israël, tel un rat pris au piège, est donné pour abattu et terrorisé, crée un nouveau climat de popularité unanimiste depuis Alger jusqu'à Bagdad. Succès diplomatique suprême, le petit roi de Jordanie, Hussein,
doit lui-même venir faire sa soumission au Caire et placer ses armées sous le commandement unifié dirigé par Nasser, qui, bon prince, lui réserve un accueil honorable. Nasser a repris la main comme jamais dans tout le monde arabe. Évidemment, il eût été idéal pour Nasser d'en rester là. Et parvenu, un peu par une suite de hasards, à cet optimum d'influence, d'entamer prudemment la désescalade que lui conseillait d'engager tant le président Johnson que le général de Gaulle. Mais c'est là tout le problème de l'alpiniste. Comment fait-on pour descendre d'un sommet, surtout si l'on s'est laissé griser par l'altitude? Dans ces jours décisifs du mois de mai 1967, Nasser n'envoie pas les signaux que les Israéliens attendaient. Quel raisonnement font alors ces Israéliens? À ce stade, le cabinet de guerre israélien, présidé par le leader travailliste Levi Eshkol, et où le général Moshe Dayan, le vainqueur de la campagne de 1956 dans le Sinaï, est ministre de la Défense, formule trois hypothèses. Première possibilité, les Arabes se préparent à attaquer lorsqu'ils jugeront leur mobilisation achevée, avec le coût politique le moins élevé possible. Deuxième solution, ils ont décidé d'imposer à Israël une sorte de veillée d'armes permanente, supprimant toute vie civile normale, en usant de leur très grande supériorité numérique. Ou bien encore, hypothèse intermédiaire, cette mise en état de siège débouchera rapidement sur une situation ni paix ni guerre, où des raids de harcèlement sporadiques sur le territoire israélien précariseront encore davantage la sécurité de l'État. Aucune de ces trois hypothèses n'est en réalité acceptable pour l'État hébreu. Toutes les trois lui feraient perdre son unique avantage décisif, la vitesse de réaction de son armée, appuyée sur une bonne maîtrise technologique. Levi Eshkol prend dès lors la décision d'affronter maintenant la coalition arabe. Sans aucune communication avec Washington, Moshe Dayan et son chef d'état-major, Yitzhak Rabin, préparent alors la guerre éclair. Le 5 juin 1967, à l'aube, la quasi-totalité de l'aviation de combat israélienne décolle vers la mer. Après un vol circulaire très risqué, elle revient frapper de plein fouet par l'ouest l'ensemble des bases aériennes égyptiennes. L'effet de surprise est total, 80% de l'armée de l'air adverse est détruite au sol, la supériorité dans le ciel acquise pour toute la campagne. Abandonné sans couverture aérienne, le corps blindé mécanisé égyptien est alors tronçonné, coupé de ses arrières et détruit par une offensive combinée israélienne de grande ampleur qui a été précédée par la conquête de plusieurs points forts, dont la base de Sharm el-Sheikh, à l'extrémité du détroit de Tiran, par des commandos parachutistes. Au bout d'un jour et demi de combat de cette nature, la démoralisation du commandement égyptien entraîne une véritable débandade en direction du canal de Suez. Dans le même temps, la courageuse armée jordanienne, inférieure en nombre, sinon en qualité, cède au coup de boutoir israélien et retraverse le Jourdain en direction d'Amman pour éviter la capture et l'encerclement. Jérusalem, partagée en deux entités depuis 1948, passe entièrement sous le contrôle de l'armée israélienne après des combats sporadiques et peu intenses. Secondaire sur le plan militaire, cette victoire revêt une importance capitale pour Israël et le peuple juif. Le mur des Lamentations et l'esplanade de l'ancien temple sont le théâtre de scènes d'émotion intenses. Israël vit là comme une seconde naissance. L'armée syrienne n'a pas osé quitter sa position défensive sur le plateau du Golan et s'est contenté d'offrir un barrage continu d'artillerie. Les 5e et 6e jours, les unités israéliennes du front nord montent à l'assaut de la falaise du Golan et s'emparent de tout le plateau après 24 heures de très durs combats de chars. La pression générale pour un cessez-le-feu aboutit le 11 juin au soir sur tous les fronts. Israël a non seulement vaincu tous ses ennemis, mais repoussé loin de ses frontières presque toutes les menaces qui pesaient sur l'État. Le blocus du détroit de Tiran est levé de facto. C'est maintenant le canal de Suez qui est interrompu pour près de 10 ans, privant l'Égypte d'une source fondamentale de revenus. La guerre des six jours aura des échos dans le monde entier. C'est l'un des événements majeurs du demi-siècle commencé en 1950. Quelles sont ses principales répercussions? Toute la perspective du monde arabe en sera changée durablement. Et tout d'abord, l'Égypte aura cessé d'être la grande puissance organisatrice de ce monde arabe. Certes, Nasser va survivre physiquement et politiquement à la défaite encore trois années décisives, mais son prestige et sa posture stratégique sont définitivement entamés. Les Palestiniens, désormais convaincus de l'impuissance de leurs divers protecteurs arabes, s'émanciperont d'un coup de rein. La
Jordanie, amputée de la rive droite palestinienne du Jourdain, désormais sous contrôle israélien, s'est en fait sauvée. Le courage du roi Hussein pendant la bataille, sa résolution face à la tentative de l'OLP pour le chasser de son trône 2 ans plus tard, lui permettront de consolider peu à peu son royaume. Mais aussi l'Union soviétique, qui se considère comme agressée et défaite, s'engagera sans cesse davantage dans la politique arabe à son détriment. L'ensemble de ces mutations constitue un changement de perspective sans précédent. Israël, désormais contraint d'occuper et d'administrer de vastes territoires arabes, se trouve confronté à une intransigeance apparente inentamée de ses voisins et aussi à un nouvel et beaucoup plus insaisissable ennemi, l'organisation palestinienne. Dans un premier temps, la guerre des six jours aura donc donné le sentiment d'accélérer la fièvre révolutionnaire partout dans le monde arabe. À plus long terme toutefois, en établissant la relative inexpugnabilité d'Israël, la guerre entame en réalité la longue marche vers une solution négociée entre combattants, même si ce douloureux chemin passera encore par 2 grandes guerres en 1973 et 1982 et d'innombrables deuils.